Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, ici Mutsu avec notre très chère famille de singes, j'espère que vous allez bien. Pourquoi est-ce que j'ai le curseur de la souris? Merci. J'espère que vous allez bien, donc on s'était quitté. Oula, il y a Serpento là. On s'était quitté dans l'épisode précédent devant une cave assez mystérieuse. Donc avant d'y aller, on va se sustenter, on va boire. On va manger. J'ai perdu ma géode aussi. Là, il y a encore un serpent. Il y a des serpents partout. C'est terrible. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis tellement pas rassuré. Donc aujourd'hui dans cet épisode on va aller explorer cette fameuse grotte. Oh putain. Il est où? Il y a le tigre hein, dans le coin, c'est pour ça que je bouge un peu bizarre. Juste là. Mais arrête de me tourner la caméra quand tu manges. C'est bon, j'ai compris. Ça suffit. Ah oui, c'est vrai que je vais pas la faire boire. Je sais pas quelle quantité de d'eau je suis censé lui faire boire. Je sais pas trop. Et j'ai du mal aussi. Ah tiens, il y a une ruche là. On pourrait traficoter avec le bâton. Je pense que ça se fait avec le bâton. Je sais pas aussi si... Alors là il y a le serpent. Je sais pas aussi comment regardez là il régène pas par exemple la partie verte de son endurance. Elle descend très vite. Je sais pas trop comment ça fonctionne ça. Il y avait le couple de cochons qui était en train de boire. Je fais que passer hein. Je fais que passer. Ok, donc. La grotte est ici. S'il y a des arachnophobes parmi vous, je pense que c'est le moment pour vous d'éteindre la vidéo, de la couper. Dans cet épisode, pour sûr, on va... on va faire une évolution. S'il faut, je dois être le seul youtubeur à pas encore fait à pas encore avoir fait d'évolution de son espèce dans son let's play au bout du je sais pas, ça doit être le 5e 6e épisode. Mais je pense qu'on a tout intérêt à prendre notre temps pour le faire justement. Que ça ne sert à rien de se rusher, mais comme on en parlait aussi dans l'épisode précédent, c'est bien beau d'apprendre et de débloquer à faire plein de débloquer plein de choses, d'apprendre à faire plein de choses et de débloquer plein de choses. Encore faut-il pouvoir faire en sorte que notre espèce s'en souvienne. Ah, il y avait de l'eau ici, tiens. Putain, m'énerve. Il m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, monte, tu peux le faire. Voilà, merci. Ah, je l'ai lâché. Il est en bas, je le vois, il est là le truc. Je pense que c'est ça.
Je peux le spotter? Non, je peux pas. Donc on en revient au même point qu'à la fin de l'épisode précédent, à savoir coincé sur cet arbre avec le tigre en bas. C'est terrible. Il est où? Il est ici. J'aimerais bien, du coup, trouver des fibres pour nous soigner. Ça, ça en est, ouais, ça en est. Ok. Le truc, c'est qu'on peut pas aller dans la grotte s'il est là. Oh la vache. On peut clairement pas rentrer dans cette grotte. S'il faut, y a rien dans la grotte en plus, hein. Ok. Est-ce que vous la sentez, la mauvaise idée, ou comment ça marche? Vu la tête qu'il a fait. Ah ouais, bah oui, clairement, il fallait s'en douter. Hein. D'accord, bon, en fait, il n'y a absolument rien dans la grotte. À part des champignons. Absolument. Non, mais lâche-le. Jette ça. Arrête. Ah la vache, vous devez me détester du coup. Genre, oui, Mutsu, tu nous as quittés dans l'épisode précédent. Genre, il y a un truc de fou dans la grotte, machin, tout ça. Alors... Ah, secours! Laisse-moi tranquille! J'en ai marre de lui. Genre, oui, il y a un truc épique dans la grotte. Il va y avoir une méga araignée, blablabla. Bla, bla. Tu parles, il n'y a absolument rien dans la grotte. On se fait chasser toujours par le même tigre. Je peux pas lui balancer des noix de coco dessus? Il est où? Va-t'en! Bon, il me faut des fibres de K-pop. Oh putain, mais il est trop malin! Il est beaucoup trop malin, ce tigre. C'est pas possible. Heureusement qu'il grimpe pas aux arbres. Parce qu'alors là, j'allais crier à l'arnaque. Là, j'allais dire, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, c'est complètement faux. Faites quelque chose. Il n'y a que des vieilles branches. Vieilles branches. On voudrait des fibres de capoc, s'il vous plaît, bonjour, pour se soigner. Est-ce trop demandé? Vieille branche. Et vieille branche. Très bien. Génial. Ah ça. Non, vieille branche aussi. Ça, vieille branche aussi. De toute façon, quand elles sont par deux, 100% c'est de la vieille branche. C'est pas très grave. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ici? Pas du tout. Ok. Bon ben voilà, c'était le tigre YouTube, j'espère que ça t'a plu. Oh là, en plus il est cuit. Ok, en fait, peu importe ce que tu manges, j'ai l'impression que ça fait diminuer l'empoisonnement.
Il faut que je me bandage en tout cas, hein, assez vite. Ça devient même, je dirais, urgent. Ça, ça en est, ça. Eh oui, ça en est, bien sûr que ça en est. Dans un arbre hyper éloigné, forcément. Il doit y en avoir un avec un serpent au pied en plus. Je me demande s'il est même... Non, c'est pas le serpent, ça. Je crois qu'il y a un autre tigre ici, je suis pas sûr. Il est déjà 19h16. Game. Terrible. Terrible. Alors. Je me demande s'il n'y en a pas sur cette branche. Pas du tout. Pas du tout. Hop. Ok, ouh, j'ai eu peur là. Là, je vous avoue, j'ai eu un petit coup de pression de rater la branche. Les musiques sont stylées. Elles collent bien au jeu. Non, 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 non. Non, non. Ok. Bon, on est toujours empoisonné, mais ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc ma géode, elle est par terre là-bas, mais j'ai franchement pas envie d'y retourner pour aller la chercher. Donc, comment vous dire? Hein, voilà. Bon, allez, on va dormir. Que ça va virer le poison. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment dans cet épisode pouvoir trouver un autre mâle. Et le faire s'accoupler avec notre femelle. Je pense pas qu'un ancien puisse s'accoupler. Si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Alors du coup, est-ce que je vais chercher mon caillou? En plus, je sais pas où est-ce qu'il est tombé, donc pour le trouver, bonjour. Est-ce qu'on s'en foutrait pas du caillou un petit peu quand même? C'est par où? C'est par là, non? Où est-ce qu'il m'a attaqué? On va quand même, par acquis de conscience, aller voir vite fait, parce que je sens qu'il y en a parmi vous qui sont là et qui se disent « Ouais, vas-y, vas-y !» Je sens qu'il y en a d'autres qui sont là et qui se disent « Ouais, on s'en fout, on s'en fout !» Et alors, pour qu'il n'y ait pas de regret, je vais jeter un coup d'œil. Mais honnêtement, dans ce fatras, je pense qu'on le retrouvera pas, donc en fait, on va laisser tomber. Il y a un truc autour de nous. Il y a un truc dangereux ici, je crois. Il a l'œil qui s'est mis à clignoter en rouge, ça veut dire qu'il y avait un truc dangereux dans le coin, il me semble. Ouais les gars, je sais même pas où aller la géode, donc en vrai on s'en fout. Hein. C'est quoi ça? Ah ça c'est mon... Ok, je pense que j'ai assez bu. Est-ce que je peux la retrouver comme ça? Donc là, il y a pas mal de roches soulevables. Ça aurait pu être intéressant aussi, hein, de... Ça, c'est du granit. De s'y attarder pour essayer de les soulever, justement. Mais bon. Clairement, c'est pas notre objectif. Ah, j'avais dit que... Tac. Mince, je suis allé trop fort.
Ok. Ah ben voilà, quand on parle du chieur. C'est votre faute, hein. Là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous m'avez dit d'aller chercher le caillou. Oh la vache. Cette bête, je la déteste. Je la déteste parce que... elle est hyper pénalisante et je ne sais pas encore comment m'en débarrasser. Ça, ça fait partie des trucs qu'il va falloir que j'apprenne à faire. C'est que, enfin si, je me doute comment on fait. Il faut à mon avis avoir un bâton qui soit taillé dans les mains. Et quand elle nous attaque, on lui met un bon coup dans les guiboles. Voilà comment il faut faire, je pense. Mais j'ai pas de bâton. J'ai pas réussi à chaque fois à contre-attaquer. Un bon coup dans les valseuses. Est-ce que t'arrives à sauter sur l'autre branche là? Chaque fois, je veux aller trop vite. Je mémorise pas leur emplacement et ça me joue des tours parce que à chaque fois, je me retrouve dans la situation justement où je ne sais plus où ils sont. Waouh. Faut pas trembler là. Ok. Il y a un nid d'oiseau là. Oh, regardez. Des petits oiseaux. Ok, bon. Pas de semblable dans le coin. Putain, c'est tellement risqué en vrai ce que je fais. Là, il y a un sanglier quelque part. Ok, il est juste là. On a un deuxième ici, ok. Je vais essayer de... ouais. Développer mon ouïe. Pour entendre justement les choses. C'est quoi? Apparemment c'est méchant, mais je sais pas ce que c'est. Ok. On est déjà à 20 minutes d'épisode, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite et on n'a pas fait grand chose. Ça c'est un truc, je vous en ai déjà parlé, mais qui me gêne un petit peu, c'est vrai, c'est que... je voudrais pas qu'il y ait trop de redondance dans les épisodes. Par rapport à ce qu'on fait. Ce que je peux vous montrer du coup. Mais c'est pas évident parce que vu que je suis en pleine roue libre, parce que c'est full découverte, je connais pas du tout ce qu'il faut faire. Et que même le jeu en lui-même est très peu connu puisqu'il vient de sortir, donc on a que très peu d'infos sur les diverses possibilités. Du coup je sais pas trop comment m'y prendre. C'est comme là par exemple, notre femelle elle commence à fatiguer. Mais
En vrai, je sais pas trop comment je peux régénérer ces points de vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un serpent, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Est-ce que ça, ça marche, ça? Ouais, ça fait pas grand-chose. Il y a un Facomo cherche juste là. C'était quoi déjà qui nous protégeait de la morsure de serpent? Ah oui, c'était le... C'était le... l'escargot. C'est vrai. Bon, en vrai, je suis pas sûr que boire change quelque chose, mais j'ai l'impression que le fait de faire une action fait passer le temps plus vite et donc diminue plus rapidement en fait notre poison ou... Je sais pas trop. Mais donc, pour finir avec ce que je disais avant qu'on se fasse... Ah bah regardez, tiens. Il y en avait un juste là. Avant qu'on se fasse attaquer... bah je m'en souviens plus. Tellement de... Il se passe tellement de choses, c'est tellement le stress que je m'en souviens plus. Mais bon voilà, donc c'est découverte et alors du coup je... C'est pas facile là d'essayer de présenter quelque chose là. J'ai l'impression que c'est un peu redondant ce qu'on peut faire, donc j'espère que ça vous plaît. J'espère vraiment que ça vous plaît. Alors, on va essayer de se rediriger vers la maison. Ok. Calmos, 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 les gars, calmos. Je vais essayer aussi de monter plus dans la canopée. Je pense que si on doit trouver d'autres singes, ce sera probablement plus dans les arbres, même si le dernier qu'on a trouvé était au sol. Mais bon, c'est tellement dangereux de se déplacer là-dedans que bon, pouf, je sais pas trop. Alors après, il y a plusieurs possibilités aussi pour éloigner le prédateur. Notamment le fait d'utiliser, alors d'être en groupe par exemple, d'avoir un bâton dans les mains. Ça peut les effrayer. Il y a plein de petits détails comme ça. Qui peuvent faire que, et je sais pas aussi, voilà c'est ce que je vous disais, c'est que je sais pas comment on régénère ses points de vie. Par exemple là. Voilà, mais la barre était, le rond vert était beaucoup plus grand avant. Là maintenant il est beaucoup plus petit. Je sais pas comment je peux... Oh la vache. Aïe aïe, c'est tellement stressant ça. Je sais pas comment je peux faire remonter ce rond vert. Je sais pas du tout. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé d'autres mâles, hein. Ah, ça m'embête, mais bon. On pourrait... alors, est-ce que je peux aller là-haut? Vous pensez que je peux aller là-haut? En haut de cette falaise? Je pense pas, moi, mais bon. À mon avis, vu comment sont faits les cailloux, tu dois pas pouvoir passer par-dessus. Et donc, non, ouais, clairement, tu peux pas y aller. Je pense que ça, c'est une fin de map. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon alors est-ce que je tente l'intentable? Il le tente. Oh la vache. C'est le livre de la jungle là, on est en plein dedans quoi. Oh!
C'était stylé, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Trop de pression. Ça me fait trop flipper, quoi. Il y en a pas, hein. C'est fou, ça. Autant au début, on en a croisé plein. Autant là... C'était quoi ce bruit? Yes, trop bon. Ah, au secours! Non! Accroche-toi, Billy! Oh la vache! Oh Billy, t'as eu chaud! Oh, oh, oh. Aïe aïe aïe! Bon allez, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donc je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Je pense qu'il est temps de faire évoluer notre espèce. Donc on va faire ça, je pense. On va faire des bébés. Dans le prochain épisode, on fera évoluer l'espèce. Alors, viens voir. On mange un peu. Toujours. Oh oui, c'est bon. Je pense qu'on va faire ça, c'est la bonne strat. C'est-à-dire qu'on va... Oula, oula. Attendez, c'est pas un singe que j'entends là ? On va faire un bébé avec la femelle qui peut encore en faire un. Donc on en aura 4, on va pouvoir fixer 4 trucs. Au prochain épisode, on va essayer ce système de fixation justement là d'évolution. Dans le prochain épisode, on part avec un ancien pour explorer. On va loin, loin, loin. Comme ça, on prend pas de risques. Pas d'inquiétude de on risque de mourir machin et si là au pire si l'ancien il meurt bah tant pis puisque de toute façon dans cet épisode il était on va faire évoluer l'espèce donc il va mourir quoi qu'il arrive de vieillesse. Et comme ça au moins ça va nous permettre de voir un petit peu de nouvelles choses. Alors, j'aimerais bien quand même rentrer jusqu'à la maison. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle en peut plus la pauvre. Oula oula, doucement. Qu'est-ce que je fais? Je passe par là? Ouais, je passe par là. On a de temps en temps en bas à gauche, je sais pas si vous avez fait attention. Vigilant, calme, vous avez vu? C'est son état mental, je pense. Ce petit thème musical, il est fabuleux. Donc, hop. Alors, attendez, par contre. Tac, posé. Ok, on pose le bâton. Comment je peux... Lâcher l'enfant. Sommeil, évolution. Je peux pas. Tiens, c'est nouveau ça. On
portée de détection des odeurs et des sons est légèrement augmentée, ça c'est bien. Je peux pas faire la fin de le je sais plus comment il avait appelé ça là, quand on fait fin de l'expédition. Ça n'arrivera. Ah ouais, ça c'est bien ça. Waouh, par contre ça coûte tellement cher. S'il y a peut-être un truc à fixer, c'est ça. Par contre, du coup, bon, on va voir. La vitesse d'analyse, ok, maximisée. Ça c'est pas mal ça. Il y a marqué quoi? Après connexion, il est possible d'identifier effectivement des ressources de la même nature à proximité. Donc si on prend quelque chose qui est au bout du nœud, est-ce qu'on fixe ce qu'il y avait précédemment? Ou pas, je ne sais pas. Alors. Donc. Lui c'est le mal. Lui c'est un mal aussi. Ça c'est l'ancien. Sans partenaire, c'est une femelle. Mais est-ce qu'elle peut faire... Est-ce qu'elle peut... Ben non, il n'y avait pas marqué qu'elle était... Lui c'est un mâle. Ah mais alors attendez, parce que s'il faut... Elle peut s'accoupler avec un ancien. Bah ouais. Bah voilà, ça sert à rien d'aller chercher un mâle, parfait. Allez viens mon beau. Oui, viens avec moi. Est-ce qu'on peut faire ça n'importe où? Ah, terminer l'expédition. Yes. Nouvelle gestation. Ok, nickel. Alors, il y a un truc que je voudrais voir du coup. Toi, tu as un mâle. Elle est où l'autre femelle? Elle est là, je crois. Femelle en couple avec Ra. Elle a deux enfants, Tiu et Anne. Et toi, tu es fertile, tu peux encore en faire un. Donc, tac, remplacer. C'est génial. Ce jeu est vraiment trop bien. On a débloqué un nouveau truc, hein, c'est bien ce qui me semblait. Tant qu'à faire, on va. Demandez de loin aux membres du clan de s'approcher de vous sur A. Ça, c'est tellement pratique. Ça va tellement nous servir en vrai. Ça va nous servir de ouf. Ça couplait. Est-ce que selon vous, les deux femelles du coup vont donner naissance en même temps là si je fais ça? Bonne question. Oh. C'est mignon. J'adore, c'est trop mignon. Ah. Ah.
bruit, hein. C'est trop mignon. C'est ça, il y a eu deux nouveaux bébés. Donc ça a bien fonctionné comme je pensais. Génial. Ce qui fait que... Donc lui, il a eu ses deux enfants là. Ok. 1, 2, 3, 4. Ah ben non, attendez, il en manque un. Normalement, on devrait en avoir 5. Je me demande aussi si il y a une probabilité d'avoir des jumeaux. Et... Et elle est fertile. Ah bah oui, il est là son bébé. Très bien. Donc. Hop. Il va y avoir des bébés partout, c'est trop bien. Alors sachez aussi que... Au sein d'une même famille, les enfants ne peuvent pas s'accoupler. Ce qui fait qu'il est important d'avoir... d'avoir des individus issus de l'extérieur. Ok. Et donner naissance. Parfait. Très bien. Voilà, donc on a plein de bébés. Et là normalement, si je me trompe pas, analyser, elle a eu ses deux bébés. Donc on en a 2, 4, 6. Ça fait beaucoup de bébés. 2, 4, 6, ça ils sont marqués en bas à droite, c'est vrai. Et d'ailleurs on voit quels sont tes enfants. Ok. Bon. Bah dis donc. Quelle histoire, quelle histoire. Bon alors. Maintenant. Nous allons regarder. C'est pas là. C'est là. Je vais le faire avec, avec elle. Tac. Évolution. Ici, rien de nouveau. Et rien à apprendre a priori. Ah si, là peut-être. On va le prendre. Je sais pas si ça a une utilité vraiment de faire ça, mais bon. Ah, les chances de lâcher un objet sont réduites une fois qu'on a fait une esquive. Donc, maintenant les générations. Alors, 6 renforcements. Donc, c'est bien ça. C'est en fonction du nombre de bébés qu'on va avoir. Du coup, je voudrais par exemple. Alors, ça, tous ceux qui sont comme ça, on les a déjà, je pense. Donc, ça, c'est bon. La portée de détection est améliorée. Identifier automatiquement des ressources de la même nature à proximité de la cible. Ah mais ça, ça en a coûté 2 parce qu'il apprend celui qu'il y a derrière avant. D'accord. Très bien.
Le déplacement à deux jambes, je ne suis pas sûr que ce soit un must-have au début. Tout comme ça d'ailleurs. Hein. La capacité à porter un objet à deux mains est acquise. Ça c'est important je pense. 4, ça coûte plus que 4. La capacité à détecter les éléments plus éloignés. Ok, on garde. Se tenir debout à volonté pour marcher, d'accord. Ça c'est quoi ça? À passer un objet d'une main à l'autre, ça c'est hyper important ça. Lâcher un objet tout en se déplaçant, à la limite on s'en fout. Mais du coup... Ah et oui, lui il m'en coûte 2. Parce qu'il faut prendre celui-là avant. Détecter les éléments plus éloignés à l'aide de vos sens est acquise. Ok, ça ça peut être bien. Bon, transport à deux mains, du coup, c'est dommage. Du coup, c'est dommage. La vitesse d'analyse, bon, bah ça, on le prendra prochaine fois. Et donc, en fait, ça, tout ça, c'est ce qu'on va garder en mémoire au sein de notre espèce quand on va la faire évoluer. Vous devez être adulte, vous trouvez dans un campement. Le camp doit avoir au moins un enfant. Tous les renforcements peuvent être effectués si possible. Et tout ça on va le garder, c'est acquis au sein du génome de notre espèce. Ce qui fait que quand elles vont évoluer, on aura ça en plus. Vous allez le voir de toute façon très vite. Apporter un objet à deux mains, celle-là je l'aurais bien prise mais ça coûte 2 points. Et ça je veux le garder, reconnaissance des formes. Ouais, ah c'est dommage parce que ça coûte un petit peu trop cher. 1, 2, 3, 4, 5. Il est où le 6ème d'ailleurs? Ah bah je suis bête le 6ème, je l'ai pas investi encore. Donc il n'y a pas 36 solutions. Soit je prends pas ça, soit ça c'est pas possible. Donc on peut déjà éventuellement fixer ça. Se tenir debout à volonté pour marcher. Pour pouvoir ensuite récupérer facilement celui-là et avancer mieux dans ce sens-là. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ça aussi, on aurait peut-être pu le garder. Oh là là, il y a tellement de choses. Donc du coup, peut-être enlever ça. Se tenir debout à volonté pour marcher. Mais plutôt prendre celui-là. Parce que ça, ça va nous servir, je pense. Ouais, on va faire ça. On verra bien de toute façon, on est là pour tester. Donc ça y est là je les ai, ça y est. Ah mais je peux l'enlever. Très bien. Et donc là on pourrait continuer à jouer du coup. On pourrait continuer à jouer. Mais nous ce qu'on va essayer de faire, c'est d'évoluer. C'est d'évoluer. Sauf que ça mesdames et messieurs on le fera dans le prochain épisode YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour continuer à faire évoluer et avancer notre espèce des Spéco sapiens. Bisous et à bientôt.